Dans ce parc animalier, la vedette est un alligator répondant au prénom de Chester. Et ce jour-là, Chester va rappeler à tout le monde pourquoi on le surnomme le mangeur d'hommes. Nous sommes en Floride, dans le parc de Gatorland. Kenny Danbury se prépare au métier de dresseur d'alligators. Il va tenter le geste que tous les dresseurs doivent maîtriser, le pop. Le pop est un exercice qui consiste à mettre sa main dans la gueule de l'alligator. Quand elle est ouverte, l'animal ne peut plus rien voir. On glisse alors la main dedans en faisant attention de ne pas le toucher, car sinon, il referme immédiatement sa mâchoire. C'est un test de réflexe. Kenny a choisi Chester, le plus gros spécimen du parc. On a choisi Chester parce qu'il est plus gros et que cela nous laisse plus de temps. Mais si tu fais une erreur, la morsure sera plus importante. Kenny est accompagné de Mike, qui a une certaine expérience en la matière. Mike commence par taper sur la tête de l'alligator pour l'énerver et lui faire ouvrir la bouche. Le pop de Mike est parfait. C'est maintenant au tour de Kenny. Le moment est crucial, il n'a pas le droit à l'erreur. Il n'y a que quelques personnes qui savent faire le pop et j'espérais en faire partie. Kenny avance sa main dans la gueule de l'animal, quand soudain... Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. En une fraction de seconde, une pression de 1300 kg s'est refermée sur la main de Kenny. Les dents de Chester ont littéralement transpercé ses doigts. C'est comme si vous aviez coincé vos doigts dans une porte et que quelqu'un s'amusait à la refermer encore plusieurs fois. Heureusement, très vite, Chester ouvre sa gueule et relâche sa proie. Immédiatement, Kenny retire sa main. Quand il a lâché prise, j'ai vu que j'avais encore tous mes doigts. J'étais soulagé, même si je savais qu'il me faudrait plusieurs mois pour cicatriser. Depuis, Kenny a plus que jamais sa place auprès des alligators. Mais la pratique du pop est désormais interdite dans tous les parcs américains.